Eh bien oui, toujours en ce samedi 28, entre le 35 et le 37, boulevard de Riquier. Pour une bonne trilogie de quintessence. Non, ça fait aujourd'hui 4 mois et 48 ans. Enfin, surtout 4 mois que je suis chef d'état d'âme. J'ai eu mon bac, mon brevet d'aptitude cosmique. J'ai eu mon CAP, mon certificat d'aptitude prophétique. Non, j'ai monté en grade encore. Ça, c'est parce que c'était vers 2008, pareil, quand j'ai eu ma grâce sanctifiante, on va dire. C'est le grand-père Douai, Georges Douai. 96 ans, il est parti. Il a remonté un arbre généalogique jusqu'à, je sais pas, 1600 et quelques, le début des francs-maçons. Enfin, c'est pas le début. Tu vois ? Il m'a dit, ah t'es un Christ, bah porte donc ta croix. Eh ben je la porte. Hein. C'est pas facile. Hein. J'avais commandé une croix en balsa parce que ça faisait moins mal au dos. C'était moins lourd à porter. Mais quelque part, spiritiquement parlant, je l'ai. Tu vois. Pour rassembler les énergies, pour rassembler les peuples. Ça, samedi, l'âme. Comme quand j'étais à feu vert, tu sais. Bon, j'étais là avec mes mains pour gagner ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je change les courroies de distribution. Mais je fais quoi avec mon âme, avec mon cœur, avec mon esprit? Ben, je vais changer les courroies de discrimination. Un petit peu pour tout le monde. Ça, c'est le deuxième volet du samedi. Pas de raison qu'il y en a qui chient sur un chiot en or massif et d'autres n'ont toujours pas de papier pour se torcher le cul. Ah, c'est pas facile, chef d'état d'âme, crise de Nice. L'ostracisme. L'ostracisme pour l'humanisme. Ils veulent pas qu'on touche à leur billet. Et l'argent, c'est le mal. Trouve-moi une fiche de paye de fourmis, toi. Elles ont toutes du boulot. Elles savent toutes pour qui elles travaillent, mais pas vous. Ça, faut se meigner de l'esprit, même. Penser autrement, faut apprendre Faut réveiller vos esprits morts. Bon, remplir vos cerveaux vides, ça, à la limite, ça sert pas à grand chose. Mais réveiller vos esprits morts, ça sert. Le bon Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle. Le diable, c'est directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. À tout vouloir simplifier et tout, faites une fabrique de mongols. C'est plus vous qui pensez, c'est la télé. Non. NOM, c'est le nouvel ordre mondial, non. La numérisation de l'âme, non. Pas que pour eux, vous êtes juste un numéro de sécu, un numéro de CAF, un numéro de truc, le restant ils s'en battent les couilles. Si vous voulez tuer 300 000 personnes, ils s'en battent les couilles. Pourquoi faire? Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Regarde les Indiens, pourquoi je fume? C'est pour l'honneur des Indiens. Voilà. La question, pourquoi je fume? Les mecs, ils avaient des arcs et des flèches, ils fumaient le calumet de la paix, tranquille. D'autres sont avec des fusils, des machins, ils ont tout niqué, avec leur eau de vie en plus. Après, c'est bizarre. Et en fait, ils ont fait les États-Unis. Bon. Encore les Indiens du Dakota du Nord, là, ils les bombardent à la Morora et à l'uranium. Arrêtez de déconner. Là. Arrête, va. Là, on enterre les grues, on enterre tout, on dira rien. Non ? La guerre au Mali pendant le mariage gay, c'était pour aller niquer l'uranium, hein, faut pas croire. Hein. Là, c'est une EGM aussi. En Cubri Galactique Mondiale, l'opinion publique. Regarde le calculateur. Hein. Là, j'ai fait le rêve du dernier train. Enfin, ça, pour le décrire, il faut s'approcher. Translate. Je peux répéter la question.
Enfin voilà, ça se joue en fa. C'est A, B, C, D, E, F. Christophe. On va le prendre en majeur plutôt. Oh Christophe. Wow. Oh Christophe.